ce qu'elle dit, c'est très important. Il y a des retraités qui meurent de faim, il y a des handicapés qui sont malheureux. Je l'ai dit, voilà. J'ai dit qu'il y a deux aspects. Il y a des urgences. Il y a le premier aspect, c'est les urgences. Le deuxième aspect, c'est le RIC. C'est à nous, je l'ai dit clairement. Alors, le tout est le rapport de force. Après. Et ça, distribuer des tracts, faire venir à nous les personnes pendant nos manifs, c'est important. Alors, on peut rajouter aussi, bien sûr, il n'est pas... Laissez parler la jeune fille, parce qu'elle... Il y a un pouce. Je t'avais filmé du début, t'as été trop bien parlé. Voilà, bien parlé, c'est très bien. Ouais, ouais. Le barman, je sais pas comment ça s'appelle, désolé, a dit on va demain demander des salles à la mairie. Christophe. Ça c'est tout à fait possible, Medici. Demain, on ne pourra pas le faire parce qu'on est toujours à la traite. Par contre, comme c'est tout à fait légal, on prend les clients des vêtements, on me dit juste deux, trois termes, une date, là, mercredi prochain, on a mis un tableau sur Facebook pour que tout le monde vienne demander ses ateliers. À savoir, est-ce qu'on a besoin d'un tampon, est-ce qu'on a besoin d'une réponse de Christophe ? Non. Alors, ça, Christophe, il faut répondre. Moi, je trouve la solution pour la semaine prochaine en différent. En allemand, c'est que tu as besoin. Moi, je ne connais pas du tout ce sujet-là. Un autre sujet, moi, c'est le sang qui coule en France. Je regarde et franchement, ça me dérange. Discuter, c'est super sympa. Qui voudrait, comme moi, comprendre que le rempart entre Macron en urgence, c'est les forces de police. Qui serait d'accord d'aller manifester devant le commissariat? Lequel? Le plus gros. Omar. Qui? Ou quand? Quelle heure? Qui? Je demande qui? Je demande pas quand, quelle heure? Il a déjà fait, j'étais avec je lui. Je demande qui? Mais sincèrement. J'étais avec lui. J'ai fait plein de choses. Le but de la soirée, c'est ou quand? Quelle heure? En étant massif, bien entendu, on ne va pas faire de commissariat au VAR à trois personnes. Qui voudrait une grosse mobilisation sur le commissariat au VAR? Est-ce que ce serait intéressant ou pas? Je connais plein d'étudiants qui sont prêts à le faire. C'est au VAR, la caserne c'est au VAR. C'est au VAR la plus grosse. C'est pas pour agresser. Mais il n'y a personne. Je connais bien au VAR. Alors, c'est pas pour agresser, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Quelle heure? Quelle heure? Déjà, on voit qui serait prêt à faire ça. Après, on voit l'heure. Je reprends le fondement de ma pensée, c'est pas d'aller agresser la police, c'est le dernier rempart. Il y a des gros enculés là-dedans. Mais clair. Des super gentils là-dedans. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est d'accord ou pas? Non, ça sert à quoi? Je peux parler, tout le monde parle. Oh, monsieur Barlet! Il n'a pas fini. Laissez finir. Est-ce que je peux poser une question? Mais vous arrêtez là. Même d'ailleurs, à chaque fois, on me la ferme. Heureusement que c'est le lundi de la rédemption. Non, on veut t'écouter. Les solutions, elles sont là.